Undertale. Salut à tous et à toutes, c'est Clé38 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu sur Undertale. Attendez, aussi que je tourne, oui j'enregistre. Donc on se retrouve sur Undertale, une série que j'attends depuis longtemps. Non mais c'est bon, on a compris. Undertale, voilà, on fait entrer, ça j'avais vu. Donc on s'appelle. Ah. Aqualie 38 ou Aqualie tout simple. Allez, Aqualie tout simple, ça va être très bien. Parce que Aqualie 38, en plus, on veut même pas mettre Aqualie 38. Aqualie. On pourrait l'appeler Chara, je crois. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, parce que c'est une fille, le personnage principal. Aqualie. Rentre dans l'Undertale. Ok, alors on a une belle intro et là on a du pixel. C'est génial. Bon, il y aura pas de montage parce que je c'est génial, vous inquiétez pas. J'ai la flemme de faire de montage. En fait, j'ai envie de sortir le premier épisode. Undertale. Il est vachement bien dessiné. Vachement bien. J'adore ce personnage. Oh, il pleure. On dit, je suis Flowey. Flowey la fleur. Ok, ça va. Tu es nouveau dans le underground. Je sais pas, je me trompe, je crois. Ouais, dit, prêt. Allez, on y va. Ceci est mon. Tu vois ce cœur, ceci est ton âme. Ouais bon, c'est en anglais, moi je suis très très nul à chier. Ok. C'est quoi cette tête? Tu es idiot, d'accord? Ou imbécile, je sais pas. Dans ce monde, c'est... Il suffit de tuer ou être tué. Tu dois mourir. Meurs. Je suis très nul en anglais, mais j'ai vu plusieurs vidéos sur le début d'Undertale en fait. Ok. Ah! Elle s'appelle Tauriel et on doit tuer Tauriel. Tauriel, t'as compris? Oh là là, il y a du monde. Non, mais oui, je connais les forges, le sort butcher. On entendait pas du tout. C'est quoi le menu déjà? Attendez, le menu c'est contrôle. C'est bon, non, c'est pas trop bon. Et il y a un truc sur mon clavier, c'est dégueulasse. Voilà, un truc de bon, un Undertale. Extrêmement longtemps. C'est un jeu qui me tente très bien. Quoi ça? Il y a une étoile, madame. D'accord. Dans ta nouvelle maison. Dans la ruine. Ok, bah il y a plusieurs pillages et tout ça. Voilà. Bon, j'ai vu ouais, la default, la musique, il y a plusieurs pillages en fait. Bah j'ai déjà vu le début en français parce que j'ai galéré à traduire. Je me suis un peu spoilé. Mais je me suis spoilé que le départ. Non, non, Marc,
j'avais marqué ton nom, je sais pas si ça, je m'en fais plus trop. Voilà, splendide. Allez, je suis sorti sûr. Oh non, voilà, y'a les moustiques qui sont back. On va parler à. Ouais, mais c'est bon, on a compris! Pas joué. Voilà, c'est tutoriel, ok? T'as compris le tutoriel. On les couilles. Le check, vas-y! Ah non, ça veut dire analyser, d'accord. Ah non, attendez. Boum! 32. Ah! Ah, un combat. Wow. Putain, je l'ai pas tué une fois. Un seul coup. Vous avez vu ce skill que j'ai? Bien joué. Donc, il faut les tenir la main. Et en fait, elle va nous faire passer le piège. En fait, elle trouve que c'est encore un peu dangereux. Ok, alors là, c'est le long chemin. On va devoir marcher. Il n'y aura aucun problème. Là, je suis en train d'un peu de rusher. C'est pas cette musique, ça. C'est pas la musique de scène, s'il vous plaît. Ah bon, il est. Elle me dit non, je sais pas de musique de la F. Et désolé, voilà. Hello, allô, ici Doriel. Je n'ai pas sorti de la salle, j'espère. Voilà. Je déteste le départ. En plus, en anglais, c'est deux fois pire. Il ne devait pas avoir une grenouille ici, non? Faire une pièce. C'est quoi déjà? C'est contrôle. Donc X c'est bon, revenir en arrière. Ok, je sais pas si vous voyez quelque chose en fait. Musique hein. On est X, vous voyez. Ah, encore un produit là. J'adore cette attaque. New. No! Voilà. D'accord. Ah, c'était fou en fait. Il n'y a aucun bon passage. Il faut prendre juste la pompe. Alloy, tutoriel, voilà. Je vais déplacer ça en haut. Ah ouais, d'accord, il nous demande. Ah,
Là c'est c'est le moment chiant, inutile. Ouais, on déplace, j'arrive là. Ah. Ah. Ouais, non mais c'est bon, on a compris. Ok, je suis allergique. Ah oui, oh, ce moment il est chiant. Je vais un peu plus le chemin, mais je crois que c'est ça. Et bah, c'est pas ça. Oui, y a, là-bas il y a écrit un panneau avec écrit. Putain! Alors, je connais pas le chemin. Ouais, vous avez vu ce skill. 21 boum. Putain. C'est quoi le message, ouais. Eh bien non. D'accord. Attendez, on va refaire ça, une action. Enfin une action, ouais. On stop. C'est génial. Putain. C'est pas possible. Le premier qui dit mais si c'est possible avec la carte Keywood avec combien de temps je le défonce. C'est combien de temps que je... Ok, ok. Putain, non. Je déteste ça. Bon, vous l'avez compris, je sais pas si vous connaissez Undertale. Mais il y a plusieurs voies, il y a la voie de l'égicidaire, la voie pacifique et la voie neutre. Donc moi, je l'aurais coupé, je vais prendre la voie génocidaire. J'aime la voie génocidaire. Ok. Maintenant on va le consoler, regardez. Et là, il va se barrer. Voilà, c'est génial. Je vais mettre ce jeu. Alors pourquoi je vais prendre la voie de génocidaire, vous allez me demander. Et pas juste pour combat de sense. Je crois qu'il faut prendre la voie génocidaire pour combat de sense. Je crois. Juste pour ce combat magnifique. En tout cas, si on prend la voie pacifique, c'est pas le combat, je crois. Bah, je sais pas. Ceux qui sont plus joués à Undertale que moi, bah dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Oh putain. C'est quoi ça? What? D'accord, y'a de la gelée qui m'attaque un peu. Et y'a plus aucun respect. Et on a fait 25 kills dessus. Bonjour ma 25 ans. De mec assez grand. Oui. Oula, c'était chaud. Undertale, allez. Putain. J'aime. J'ai plus de vue en plus. Je te vais. Ah pardon. Et que je me pose ça, je fais ça juste parce que c'est toi comme ça. Juste parce que oui, voilà. Oh
Voilà, on était sûr. Je connais ça. Détermination. J'ai pas compris en fait. Et moi je sers à toi. D'accord. J'ai pas compris en fait. Ah, le poussin de métatome. En fait, je sais pas si c'est le cousin de métatome. D'accord, merci. On va voir ce qu'il y a là-bas. Le toit de la rue, d'accord, je vais pas aller là-bas. Bah, bonjour. Rabbit. Ouah. Je sais. J'ai flemme de parler à tous. Ouais. En fait, je sais pas. Alors, moi il est 20. Je sais pas à quelle heure on a acheté. Il y a 24. Ça va. On a pas le temps. Enfin, si je sais pas si on a le temps de finir. Oh putain. Allez. What? Attends, je vais me remercier. Ah non. Boum au milieu 28, qu'est-ce que tu vas faire? Level 2 30. Ok, maintenant on va tomber. Ah, il est là en fantôme de ceci. Ok, c'est pas cool. C'est quoi ça? Génocide 24. What? Non! Ok, fight. J'ai le fighter.
pardon, j'ai peur. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr que c'était juste. Encore une minute comme ça, putain. Putain, du foyer cool, les mecs. Je suis chaud, chaud, chaud là. Je suis sûr que c'est lui. Chance d'accoler, chance d'accoler. BOOM! Ça a pas suffi. Je suis très concentré, ok. 25. Boum. Et boum, 25. Et il est pas mort. Connard. C'est bon, j'ai tué. Fort. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est bon, allez, là-bas. Je sais pas si on va aller. Allez, on va aller vers la croix, là. Je vais partir à l'aventure, je combatte Sense.
Je fais au hasard, hein, je dis même pas. Je vais descendre pour voir. C'est où la sortie? Ouais, je veux sortir. Ah non, mais c'est dangereux, je m'en fiche, moi. Cartague. Bon d'accord, j'ai compris, on pourra jamais sortir. Et ben ça va devenir la fin de l'épisode, mes amis. Je suis désolé. Voilà. Ça va être la fin de l'épisode. On va mettre la nappe. Hein. La nappe quand même. J'ai tué. Mais la nappe est rouge. Je sais pas où on doit aller. Bon, vous allez me le dire dans les commentaires, sûrement. Vous allez me dire dans les commentaires. En tout cas, c'était un premier épisode pas mal, quand même. Hein, je sais pas si vous avez vraiment eu. Si on a eu. Voilà. Mais là, c'est comme ça. Donc je sais pas si vous avez vu l'affiche de base. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires que c'est quoi la suite, parce que là je comprends pas ce qu'il faut faire. On peut pas descendre. Si c'est de la chambre, mais je sais pas. Donc si j'ai des films d'Undertale, dites-le-moi dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Parce que moi aussi j'aime bien Undertale, enfin. C'est la première fois que j'y joue, mais j'ai regardé quelques replays, je trouvais ça sympa. Du coup bah voilà. Et déjà, une première impression de jeu, je trouve ça sympa, donc vraiment, donc l'histoire je la connais aussi, donc je sais qu'à la fin, il y a Sense. Mais justement j'adore Sense en plus, Sense est trop stylé. Donc voilà, on commence un nouveau let's play sur Undertale, un dimanche, c'est pas mal, un dimanche, même dimanche, I like the dimanche. Non, je rigole. Non, mais voilà. Donc, là, c'est exceptionnel parce que c'est le dimanche. Mais sinon, ce sera mercredi. Parce que j'aime le mercredi. Et le dimanche. Parce que j'aime le dimanche. Oui. J'aime le dimanche. Bon, je dois. En tout cas, ce sera le mercredi et le dimanche, comme les LDR. Donc, et si vous aimez cette série, peut-être que je ferai un. Trois fois par semaine, hein. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette série, déjà, oh, si vous avez aimé cette série, si vous aimez Undertale, et ben voilà, j'aimerais savoir la suite. Oh, vous pouvez m'aider, parce que là je comprends rien, il faut la nappe, il faut mettre la nappe, hein, j'ai compris ce mot. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de Undertale, si vous connaissez Undertale, si vous connaissez pas, bah, vous allez découvrir avec moi, hein, voilà. Donc je connais deux méchants, je connais l'araignée, enfin je connais pas qui, mais c'est l'araignée, Métatone et ça, après le reste je connais pas, il y a aussi un poisson, mais je et une araignée, voilà. Donc j'espère que cette série va vous plaire, moi en tout cas elle va vous plaire. Merci de regarder, enfin de regarder cette série avec moi, ça me fait plaisir de voir, voilà. Donc je suis de retour, je sais pas les prochaines vidéos qui vont sortir. Pas quoi sortir en vidéo, donc voilà, proposez-moi, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour mon épisode. Mettez un pouce bleu si vous aimez cette série et mettez un commentaire pour me dire si vous êtes fan de Undertale, je vous le dis 10 000 fois, et surtout abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, on est bientôt 200 abonnés. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour mon épisode. Allez, ciao tout le monde.